Edith, le directeur mondial autoprogrammé du candidat Choco Alassane Ouattara vous apprend aujourd'hui comment savoir bien voter avec un bulletin unique. Dans l'isoloir, vous avez votre bulletin réuni par l'agent du bureau de vote. Ici, il y a 4 candidats, donc 4 photos. Reconnaissez bien votre candidat avec sa photo. Votre candidat, c'est bien Alassane Ouattara à la première photo en regardant à gauche. Vous avez aussi le symbole ou le logo du RHDP. Suivez très bien. Vous devez faire exactement comme c'est l'électeur qui a coché dans la petite case juste en bas de la photo de votre candidat Alassane Ouattara. Attention, si vous savez écrire avec un stylo, vous mettez la croix dans la case comme sur ce bulletin. Pour nos parents qui ne savent pas lire et écrire, c'est pas grave. Mettez votre doigt dans l'encrier sans trop appuyer et mettez votre doigt dans la case en laissant la trace de votre empreinte digitale. Mettez le bulletin dans l'enveloppe, sortez de l'isoloir et avec l'aide de l'agent, glissez votre bulletin dans l'urne. Bravo! Vous avez bien voté! Grâce à ce petit geste simple, vous venez de faire gagner le meilleur candidat à la Alassane Ouattara pour 5 ans de développement. Notez bien. Je dis bien, notez bien. Vous ne devez pas vous tromper en mettant la croix ou l'empreinte digitale sur le visage ou la photo de votre candidat. Ou encore en écrivant son nom. Ou en mettant tout d'encre sur votre doigt pour entacher partout le bulletin. Tous ensemble, luttons contre le bulletin nul. En sachant parfaitement voter sur un bulletin unique. J'ai dit.